Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakebakintumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakebakintumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakebakintumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakebakintumira Mesdames et messieurs, bonjour. Notre session de ce soir sera animée par deux des filles de Paul Rousset-Sabagina, Diane et Karine. Diane, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Karine. Bonsoir, ambassadeur. Je vous remercie d'abord de vous être apprêtée pour venir sans préavis. Je vous ai appelé et puis vous êtes venu aussitôt dans les studios. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la dernière fois dans l'émission que j'ai eue avec Diane et Liz, nous nous étions promis de nous revoir rapidement pour suivre la situation de votre papa, Paul Rousset-Sabagina, et puis pour continuer à sensibiliser aussi bien les Rwandais que la communauté internationale sur ce dossier. Nous pensions vraiment que le gouvernement rwandais serait raisonnable, que Paul serait libéré et qu'il nous reviendrait rapidement. Eh bien non, il est toujours en prison au Rwanda, maltraité. Parfois, le gouvernement va même jusqu'à le montrer au public sans son autorisation, sans le prévenir. Eh bien, nous reviendrons sur tous ces éléments pour, une fois encore, informer le public, informer les Rwandais et les étrangers qui sont intéressés à la situation de Paul Rousset-Sabagina et aux droits de l'homme au Rwanda en général. Eh bien, je vais vous laisser la parole pour introduire le sujet, pour nous parler exactement de la situation de Paul Rousset-Sabagina aujourd'hui, des conséquences éventuelles que la décision du gouvernement américain de le déclarer illégalement détenu a pu avoir, et puis quelle est la position des autres gouvernements, le gouvernement français, britannique, qui va tenir sa réunion, sa conférence Shogam à Kigali d'ici un mois. Et voilà, nous allons aborder tous ces sujets. Je vous laisse vraiment la liberté d'introduire, d'échanger pour une meilleure information de notre public. Oui, merci beaucoup, ambassadeur, pour nous avoir accueillis ce soir et pour nous donner l'opportunité de continuer à sensibiliser sur la détention illégale de papa au Rwanda. Ça fait maintenant 637 jours que papa est détenu illégalement au Rwanda. 637, donc bientôt un an et demi. Il a été kidnappé le 27 août 2020, emmené de force au Rwanda, et puis il a été torturé et privé de tous ses droits humains, y compris ses droits à la défense. Et puis, comme vous avez vu, à travers ces 637 jours, énormément de gens à travers le monde se sont mobilisés et tous les jours, cette mobilisation continue et tous les jours, plus en plus de personnes utilisent leur voix pour aider à sensibiliser et à mettre de la pression sur Kigali, sur le gouvernement rwandais pour qu'il libère notre père. Donc maintenant, plusieurs résolutions ont été passées à travers les parlements dans plusieurs pays au monde. L'Union européenne en a adopté deux d'ailleurs, le Congrès américain aussi en a adopté, et bien sûr, s'il faut qu'on en adopte 300, on en adoptera, on fera en sorte que tous les pays du monde le font, mais le but, c'est qu'on continue à sensibiliser, on continue à faire en sorte que les gens réagissent et agissent surtout sur ce qui arrive à papa. Les barreaux internationaux aussi ont réagi, donc les associations d'avocats, l'association des barreaux de l'Union européenne, le barreau italien, le barreau international, le barreau américain, donc c'est-à-dire que même légalement et juridiquement, tout ce qui lui arrive est complètement illégal et ne devrait pas être. Les Nations Unies aussi ont déclaré que sa détention est arbitraire, ils ont déclaré que c'est un procès politique, qu'il est détenu illégalement et qu'il doit être libéré le plus rapidement possible. Et juste récemment, donc dans les dernières semaines, le gouvernement américain a pris position
position officielle qui dit que notre père est aussi détenu illégalement, que c'était un procès politique, que Kagame lui veut du mal à cause de son parcours de sensibilisation sur ce qui arrive sur les violations de droits humains commis au Rwanda et le manque de démocratie au Rwanda. Et donc maintenant, d'après l'État américain, d'après le State Department ou le gouvernement américain, le gouvernement du Rwanda et l'État rwandais est maintenant un État qui détient un déteneur d'otages dans la même catégorie que la Russie, le Venezuela, l'Iran, la Syrie. Donc le Rwanda, clairement, ce que le gouvernement fait n'est plus accepté par la plupart des gens autour du monde, et on continue à faire en sorte que les gens réalisent la réalité de ce que fait ce régime. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a tous les jours de nouveaux éléments. Je profite de l'occasion, puisque vous parlez de ce qui se passe à gauche à droite, pour féliciter Karine pour son intervention, pour l'interview qu'elle a donnée à Michael Arang. Et c'était une très, très bonne interview que nous avons bien sûr essayé de distribuer, de partager avec tous ceux qui comptent pour ce genre d'exercice. Merci beaucoup et vraiment bravo. Alors, merci. C'est avec l'aide de toute l'équipe et toute la famille. Donc, c'était moi qui représentais toute la famille et qui représentais toute l'équipe qui travaille tous les jours pour sauver la vie de papa. Mais merci beaucoup. Vous nous représentiez tous, en fait. Exactement. Alors, Diane, si vous avez un élément à ajouter à ce qu'a dit Karine, je vous en prie. Oui, en fait, ce que j'ajouterais, c'est que en ce moment, notre père, bien sûr, en retournant un peu en arrière, je rappelle que notre papa a été victime de plusieurs violations des droits de l'homme, de droits humains. Avant d'être kidnappé, il a subi des tentatives d'assassinat ainsi que plusieurs tentatives d'humiliation, tentatives de meurtre, etc. Et ils ont fait aussi des campagnes pour salir son image. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est en cours d'actualité. Donc, ils ont commencé depuis plusieurs années, depuis qu'il a commencé à parler, mais ils ont continué. Et ensuite, il s'est fait kidnapper. Ils ont été jusqu'à le kidnapper pendant qu'il était en voyage à Dubaï. Pour l'emmener au Rwanda, ils l'ont attaché, ils l'ont torturé, ils l'ont emmené dans une maison de torture. Il était victime de disparition forcée. Il a disparu pendant plusieurs jours. Et suite à ça, il a subi encore une campagne de violation de ses droits en l'amenant devant un tribunal qui a fait semblant de le juger. Tout ça sont des faits que je rappelle, puisque la plupart des personnes ont pu suivre ceci, puisque tout était filmé et diffusé sur YouTube et sur des chaînes nationales et quelquefois même internationales. Dans cette campagne-là, il y a aussi des tentatives d'humiliation, les campagnes continuent sur les réseaux sociaux. Depuis tout ce temps-là, on fait des attaques contre lui et contre sa famille et ses proches. Et même, je dirais que ça va jusque, cette campagne sur les réseaux sociaux va jusqu'à attaquer des personnes, y compris des sénateurs, des députés qui essaient de parler pour nous, ainsi que des personnalités d'Hollywood et des sportifs, etc., ceux qui essayent de rejoindre notre campagne de sensibilisation du problème, sont tous pris pour cible. Et donc, ce qui s'est passé cette semaine, qui nous a choqués, c'est qu'hier, on a remarqué des images de notre papa sur une chaîne YouTube qui vient du Rwanda, qui s'appelle Magic, ou Cheetah Magic, quelque chose comme ça. On voit clairement notre papa qui est pris pour cible. Il est filmé clairement contre son gré et probablement à son insu aussi, puisqu'on le filme de dos, on filme sa chambre. Et de plus, le journaliste précise que M. Paul Rusesabagina a refusé de lui parler, ce qui implique automatiquement qu'il n'a pas donné son accord.
Et si on regarde les images qui sont diffusées, on remarque que dans les prisons, il y a non seulement des enfants, moi j'ai vu sur les images des enfants de 2 ans ou moins, on voit des adolescents, on voit même des personnes, des vieillards qui ne devraient pas être en prison, mais qui y sont quand même. Donc, cette façon de maltraiter les gens n'est pas destinée qu'à notre père, elle est destinée à plusieurs personnes. Seulement, notre papa, c'est la voix, c'est lui qui est visible, c'est quelqu'un qui est connu et reconnu mondialement. Et si lui subit ce genre d'agression, on se demande que doivent subir les autres personnes, les personnes inconnues, les personnes qui n'ont pas quelqu'un qui parle pour eux. Et c'est pour ça que nous sommes là pour parler en leur nom, en eux tous, pour que ça s'arrête. Puisque vous parlez de la fameuse chaîne, on ne va pas lui faire la publicité, elle en a déjà suffisamment. J'ai essayé de me renseigner. Cette chaîne n'est pas une chaîne publique. Ils font de l'entertainment. Exactement. Ils parlent beaucoup de femmes qui trompent leur mari, de maris qui trompent leur femme, de viol. C'est ça leur domaine habituel d'intervention. Un autre élément que j'ai pu avoir, c'est qu'un des propriétaires de cette chaîne est une personnalité du FPR. Donc, ce n'est pas une chaîne anonyme, elle est connue. L'animateur, ce n'est pas lui le vrai propriétaire. En fait, c'est une chaîne qui travaille avec le FPR. Donc, exactement. Et quelle a été choisie pour une telle mission, qu'elle a interviewé, que cette chaîne ou ce, entre guillemets, journaliste a interviewé des personnalités politiques, Sankara et les autres. Tout ça a été monté, en fait, pour qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent que M. Chita ou Magique, je ne sais pas, disent ce que le gouvernement de Kagame veut dire. C'est tout. Et c'était, paraît-il, vous me direz si j'ai raison ou pas, apparemment, c'est pour donner des garanties au Commonwealth. Pour montrer au Commonwealth que les prisonniers sont bien traités, qu'ils vivent dans des endroits salubres, propres et tout. Le problème, c'est que ce n'est pas très convaincant la sortie de M. Chita ou de la chaîne Chita. Oui, exactement. Surtout que ce que j'ai remarqué, qui nous a choqué également, c'est qu'ils ont donné des interviews aux personnalités qui ont précisé. Il y a une personne qui a précisé que notre papa est en fait toujours en isolation ou dans une forme d'isolation. Puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle, un politicien qui s'appelle Rachid, qui a dit que parler à notre papa peut constituer une crime ou plutôt une plainte de plus ou un crime. Donc, ça veut dire qu'on interdit à notre papa de parler aux gens. Mais aussi, on leur interdit à eux, à leur tour, de lui parler, puisqu'ils ont déjà suffisamment de problèmes, ils ne veulent pas en ajouter d'autres. C'est exactement ce qu'on dit depuis plusieurs temps, c'est que papa est isolé. Il est isolé et c'est une attente à le détruire psychologiquement. Mais bon, on sait qu'il reste solide et il reste avec la force mentale comme on l'a toujours connu. Donc, on va continuer notre campagne, peu importe leur atteinte, leur tentative de faire passer des mensonges à travers le monde. Ça n'affecte pas le momentum de la campagne pour sa libération et le soutien global qui augmente pour continuer à faire en sorte de mettre cette pression politique et publique sur le Rwanda pour qu'il le libère. Oui, nous, on se serait attendu à le voir nous montrer qu'on lui a donné ses médicaments, tout ce qu'on a dit qu'il n'allait pas bien, ses médicaments, qu'on laisse ses avocats venir, tout ce qu'on a dit qu'il n'allait pas, on s'attendait vraiment à ce qu'ils allaient montrer. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'on démontre clairement son désaccord. Je rappelle quand même que l'avocat de Paul Rousseff-Sabagina, Maître Lurquin, eh bien, il est allé à Kigali, il a voulu rencontrer son client. Le gouvernement rwandais lui a refusé cette visite. Là où Maître Lurquin
n'a pas pu rencontrer son client à la prison, eh bien, le journaliste, il peut aller filmer tout le monde, filmer les livres de Paul Rousset Sabagina, filmer son lit, filmer, et en plus, sans son autorisation. Il était forcé, forcé à accepter qu'on le filme, il a refusé, bien sûr. Et ça, c'est un signe de plus que le FPR veut tromper le monde sur les conditions de détention de Paul, ils ne vont pas l'accepter naturellement. Oui, donc comme vous avez vu, enfin, je vais juste réappuyer votre point sur le fait qu'ils permettent aux journalistes d'aller voir papa, mais qu'ils interdisent nos avocats. Et c'est le même sujet, sur la même ligne, la même direction, ils interdisent aussi un docteur indépendant d'aller le voir. Ça fait plusieurs mois, depuis qu'il a été kidnappé, qu'on demande à ce qu'il soit observé, analysé, enfin, examiné par un docteur indépendant qui ne travaille pas pour le régime, et on refuse constamment. Donc, nos efforts maintenant sont mobilisés à pouvoir faire en sorte qu'il voit un docteur, et aussi, bien sûr, sa libération, mais sa santé nous inquiète énormément. Les douleurs continuent, les douleurs à son bras, à sa mâchoire, à son cou continuent, même son visage, sa lèvre qui est déformée, le paralyse à cause de l'AVC qu'il a eu, reste là. Et donc, nous sommes très, très inquiets et nous allons continuer à essayer de tout faire pour pouvoir lui trouver un médecin indépendant. Mais jusqu'à présent, ça reste la même chose. Les autorités rwandaises refusent et ça nous amène à se poser encore plus de questions. Je considère ce qui s'est passé hier et tout ce qui se passe autour du refus de lui administrer ses médicaments ou à lui refuser qu'un médecin de son choix vienne le voir, que ses avocats viennent le voir comme ils veulent, pour moi, c'est de la torture, en fait. C'est une torture morale insupportable. Il faut que Paul soit soigné, qu'il ait accès aux médicaments, qu'il ait accès au médecin de son choix. Sinon, pour moi, ça reste un cas de torture, une fois de plus. Exactement. Alors maintenant, les pays amis, les organisations des droits de l'homme, les différentes fondations qui ont soutenu Paul et qui continuent à se battre pour qu'il soit rapidement libéré, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur qu'est-ce qui se passe exactement maintenant? Oui. Et d'ailleurs, ça nous mène aussi à la prochaine demande de soutien de tous. Donc, comme vous savez, donc, plusieurs organisations à travers le monde se mobilisent, ils travaillent très dur pour pouvoir mettre la pression qu'ils peuvent pour arriver à la libération de notre père. Et donc, c'est pour cela qu'on demande aussi à tout le monde de nous soutenir, de soutenir papa. Comme vous avez vu, on a commencé une campagne de t-shirts qui s'appelle Free Rousset Sabagina. Ces t-shirts sont accessibles en ligne et nous pouvons partager le lien avec les auditeurs. Mais on demande aussi à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc de suivre la page Twitter Free the Hero ou la page Instagram Free Rousset Sabagina ou la page Facebook Free Paul Rousset Sabagina. Là-bas, on met tous les updates, enfin, tous les mises à jour sont mises tous les jours, plusieurs fois par jour. Et on a besoin aussi que d'autres personnes postent du contenu pour continuer à nous aider à sensibiliser. En sensibilisant, ça permet à faire en sorte que les personnes aient des conversations à son sujet. Ces conversations servent aussi à informer, à éduquer les gens qui ne sont pas au courant de la réalité sur Akigali, de la réalité de ce qui se passe dans la prison et de la torture que subit notre père tous les jours. Donc, on demande l'aide, le soutien de tout le monde, de nous joindre dans cette campagne et de se mettre debout pour les droits humains, pour la dignité humaine et qu'on arrive à la libération de papa. Merci beaucoup. Oui, les recettes qu'on va récolter grâce au t-shirt vont entièrement être remis dans la caisse du procès, tout ce qui est frais juridiques. Et ça servira uniquement que de ça. Ce ne sera pas pour la famille, mais uniquement pour les frais juridiques. C'est très important que les gens le sachent. Là, il s'agit d'une opération collective. Nous sommes tous mêlés, j'allais dire, ou impliqués dans ce dossier. Eh bien, il faut des moyens pour faire face aux frais d'honoraires et autres. Mm-hmm. Très important qu'on y revienne. Donc oui, donc comme Diane l'a expliqué, donc c'est pour les avocats pour continuer à soutenir la campagne.
Mais c'est aussi une forme de sensibilisation. Donc, quand vous savez, quand quelqu'un porte un t-shirt de quelqu'un, ça permet d'en parler et ça permet d'éduquer d'autres personnes à propos de la situation actuelle. Et notre but, c'est de faire en sorte que le monde entier sache ce qui se passe et que le monde entier agisse pour pouvoir nous aider à sauver la vie de papa. Nous sommes une famille qui est malheureusement fait face à un état qui a énormément de ressources, des ressources qui leur mènent même jusqu'à nous mettre sur écoute à travers un software qui coûte des millions. Et donc, nous devons faire face à énormément de choses et nous avons besoin du soutien du monde entier. Et c'est pour ça qu'on demande que tout le monde nous joigne dans cette campagne pour que les choses changent. Je vous remercie beaucoup. Parmi les moyens qu'utilise le gouvernement de Kigali, il y a aussi le harcèlement, il y a l'espionnage, effectivement, en passant par le Pegasus dont vous avez parlé dans l'interview avec Michael Arong à Oslo. Mais il y a aussi l'espionnage proprement dit. Je pense encore à l'espionnage qui a été organisé à San Antonio, à l'université que fréquente votre frère. Et donc, il faut peut-être expliquer ça, ce n'est jamais de trop. Il vaut mieux que les gens sachent, même si on doit répéter ça 10 fois, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Oui, donc notre frère Trésor a eu une conversation avec l'université de St. Mary's, là où on essayait de continuer cette sensibilisation sur la situation de papa. Et comme beaucoup de personnes, l'université veut aider dans la campagne pour la libération. Et donc, ils ont apporté une classe ensemble qui étudie les relations internationales et les droits humains. Et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider. Ce qui était très étrange, c'est qu'on a vu à travers cette réunion qui était censée être privée dans l'institution, que des responsables du gouvernement rwandais, donc le deuxième consulat de Washington, s'était infiltré dans le Zoom, dans cette classe, et a suivi l'entièreté de la conversation. Et puis donc, bien sûr, l'université, les dirigeants de l'université se sont plaints au fait que le gouvernement rwandais pratique la répression transnationale, parce que c'est une forme de répression transnationale, et qui se sont plaints, bien sûr, de cette violation des éthiques de l'université. Donc, bien sûr, comme vous avez vu, ils nous suivent partout, ils essayent de comprendre cette campagne, ils essayent d'intimider les personnes qui nous soutiennent, mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer cette campagne, on va continuer à tout faire pour que notre père soit libéré. Je vais vous laisser conclure cette émission en lançant un appel, en vous adressant à qui vous voulez. Ben, on remercie encore à tout le monde qui soutient cette cause, qui soutient cette campagne, et on demande à tous ceux tous les autres de nous rejoindre et à continuer à sensibiliser l'injustice que subit notre père aujourd'hui, sur l'injustice que subit beaucoup de monde au Rwanda, et de faire en sorte qu'on change les choses, c'est-à-dire contacter vos représentants politiques, informez-les sur la réalité des choses, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça peut être un email, ça peut être un appel, ça peut être un tweet, mais sensibiliser, continuer à informer les gens sur la réalité, parce que c'est comme ça qu'on changera les choses. Et puis aussi, encore une fois, on vous remercie aussi à vous, ambassadeur, pour nous donner l'opportunité de parler de notre père, de sensibiliser sur sa situation de continuer à faire en sorte de mettre une pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il le libère. Donc, merci beaucoup. Moi, j'insisterai aussi, bien sûr, sur la campagne qui est en cours. La campagne des t-shirts, c'est très important pour nous et pour les personnes victimes, puisqu'on n'est pas les seules victimes. Et également sur le fait de nous aider, vous pouvez aussi nous aider en passant par les réseaux sociaux, aller visiter toutes nos publications, réagir, partager, aimer, commenter, comme ça on pourra partager des idées, bien sûr. Et je pense que ça ira si on est tous ensemble et si on réagit tous ensemble, on arrivera à une solution. Merci beaucoup.
Ataka nyirubu kozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Ataka nyirubu kozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Ataka nyirubu kozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Ataka nyirubu kozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira.